Salut tout le monde. Alors, après une éternité, ça va être un petit tour à nous. J'en ai eu pour 26,13 centimes. Et j'avoue que je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il y a eu une petite claque sur les prix aussi. Je pense que nous a aussi pris... des augmentations comme tout le monde. Donc, bref, j'ai trouvé un espèce de un couteau suisse à 1,99 où vraiment vous pouvez voir les petites pinces, petits couteaux, petits décapsuleurs, si ça, ça, franchement, pour le prix, ça valait le coup. J'ai trouvé de la sauce aigre douce de chez Heinz. Je l'ai déjà ouverte, hein. Je l'ai essayée et franchement, ça va, elle est pas mal. À 99 centimes. J'ai trouvé ce gros bocal d'huile de coco, marque Niri. Il y avait 500 millilitres. Je vous avoue, à part essayer de l'huile de coco sur mon visage pour le démaquillant, j'ai jamais essayé pour cuisiner, donc je me suis dit, je vais tester. J'ai jamais fait, donc pour remplacer le beurre ou l'huile d'olive pour voir, tester. Donc j'ai trouvé ça et c'était à 3,99. Ensuite, chaque briquette était à 80 centimes, donc il y avait crème de coco et lait de coco light. Donc moi je les ai prises parce que j'en avais besoin et que enfin, j'aime bien ça aussi. Mais là faites attention, j'avais regardé les dates. Ouais, vous voyez, c'est très très proche. Donc si vous pensez ne pas les manger, bon après bref, ça peut tenir un petit peu moment au placard. C'est pas grave grave. Mais ça tiendra pas, je pense pas 6 mois quoi. Ça reste de la crème quoi. Ce petit kit Viva la Fiesta, Tex-Mex Party, je trouvais ça super sympa avec des petits verres forme de cactus. Là, c'est pour faire des empanadas. Un petit bol. Franchement, je trouvais ça super sympa. Et c'était 9,99. Et en dernier, des savons. Donc là, il y a au charbon, à l'aloe vera et à la perle, à la nacre. Quand je suis passée devant le rayon, je me fais, mais attends, je connais ce... c'était celui-là ou celui-là, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y a quelques années, j'avais reçu ce savon dans une box Blissim. Et franchement, j'avais trouvé ça vraiment top. Bon, après, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de matière. C'était la même, hein. Donc le prix de vente, on est aux alentours de 6 euros sur le site. Je vous préviens. Et là, ils sont à 1,99. Et c'est des petites éponges qui sont insérées avec le savon. Donc en gros, vous lavez. Il y a l'éponge intégrée. C'est plutôt sympa. Par contre, je trouve que au niveau matière, il n'y en a pas énormément. Ça se finit assez rapidement. Mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit, bon, allez, c'est 2 euros. Je vais en prendre un de chaque. Parce que, ouais, c'était celui-là que j'avais pris, il me semble bien. Et qui était vraiment top. Donc bon. Là, j'étais vraiment contente. Sur ce, voilà, c'était mes petites courses. Vous avez pu voir, ça a été très rapide. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!